viticulteurs préparent leur récolte de moules qui voyageront à bord d'un même train quelques années plus tard. La forme très plate de la petite barque appelée Hakon permet aux boucheleurs de se déplacer entre des rangées de bouchots même quand la marée est au plus bas. Des bouchots ici avec des branches entrelacées pour lesquelles il fait une moule, des grappes de moules. La culture des huîtres est aussi une activité très importante à l'Aiguillon et à la Faute-sur-Mer. Ici, on se prépare à partir à la pêche aux huîtres et là, on en revient. Les cultures céréalières permettent au moulin de tourner, tandis qu'hommes et femmes sont occupés au battage des fèves. Deuxième commune, de par son importance du canton de Luçon, l'Aiguillon est séparé de la Faute-sur-Mer par la rivière Le Lay. Avant la construction du pont, qui enjambe le Lay, des passeurs assurent avec leurs voiliers le transport des personnes d'une rive à l'autre. Pour les uns, le petit train était un même transport pour se rendre à son travail de Luçon à l'Aiguillon. Pour les autres, il permettait de se rendre une fois par semaine à la foire de Luçon ou d'y prendre un train du réseau national. C'était un facteur important d'échanges économiques et culturels des plus bénéfiques qui venaient compléter les échanges, par ailleurs transportés par de gros voiliers qui amenaient des pieux de bois pour faire des bouchots qui seront plantés en mer pour recueillir et élever des moules. Le bateau à vapeur assurait la liaison avec l'île de Ré, distante de la côte d'environ 17 km. La Faute-sur-Mer, dotée de plusieurs kilomètres de plages de sable fin, attirait de l'intérieur le plaisancier en quête d'une baignade les jours de beau temps. Le casino de la Faute attirait aussi quelques curieux et joueurs.
À l'époque, et jusque dans les années 60, la mer arrivait très près du casino et des premières constructions. Le 31 décembre 1949, la ligne Luçon-L'Aiguillon-sur-Mer était définitivement fermée, comme toutes les autres lignes secondaires du département de la Vendée. Les intérêts économiques de l'époque, la concurrence du transport routier, furent probablement à l'origine de cette décision de démantèlement qui nous prive aujourd'hui du charme indiscutable qu'exerçait le petit train sur ceux qui l'ont connu. De nos jours encore, et plus fort que jamais, c'est la raison économique qui guide les pas de notre civilisation et semble-t-il le destin de l'homme. Reste à savoir si c'est seulement là la seule voie à suivre.